boréale. C'est l'un des phénomènes naturels les plus spectaculaires. Comment se forme-t-elle? Quand on parle d'aurore, on se dit que le soleil est dans le coup. Il n'émet pas seulement de la lumière et de la chaleur, il éjecte en permanence de la matière, des particules chargées d'électricité qui se déplacent à 400 km par seconde et balayent tout sur leur passage. Heureusement, la Terre possède un bouclier quasi infranchissable, le champ magnétique. Il dévie ces particules et protège l'atmosphère terrestre. Ouf! Sauf que lors d'éruptions solaires, l'afflux de particules est beaucoup plus important. Le champ magnétique est perturbé, ce qui permet à certaines particules de s'introduire au niveau des pôles. Elles entrent alors en collision avec les atomes de la haute atmosphère pour produire ces magnifiques lumières qui ondulent dans le ciel.